J'avais trouvé les documents D6, mais Melnik n'était pas encore revenu. Sans son aide, je n'étais pas certain de pouvoir sortir vivant de la bibliothèque. Mais tout reposait sur cela. Où, mon gars? Je t'y conduis pour 50 balles. Alors t'as réussi, Artyom. J'avais des doutes, pour être honnête. T'as trouvé quelque chose? Allez, en selle! Alors, où on va? À l'église, Artyom. Est-ce que le nom de Khan te dit quelque chose? C'est lui qui nous a aidé à le trouver. J'ignore encore comment il s'y est pris. Ça vous dirait un peu de musique? Bien sûr, vas-y. J'étais en charge de la surveillance radio. On espérait contacter les bunkers du gouvernement. Salut à tous, c'est Trunkal, on se retrouve à nouveau dans Metro 2033 Redux. Au début, et on s'est échappé donc de la bibliothèque. On arrive dans cette base de Sparte. Comme je surveillais la radio, j'ai capté pas mal de trucs bizarres. Avec ma foi, un petit équipement. Mais les autres émettaient, dont les sous-marins nucléaires stratégiques. Ils attendaient les ordres. On a réussi à choper les codes, enfin le document Salut, D6. Artyom. Je m'appelle Vladimir. Ah, c'est gratos. On n'a pas ça. On n'a pas cette mitrailleuse, là ça a l'air bien. Tu trouveras pas de truc pareil dans le métro. C'est l'équipement militaire dernier cri. Adios. Mitrailleuse lourde à chevrotine. Oh, ça provoque de sacrés carnages. C'est moi qui te le dis. Ça c'est quoi? C'est le fusil à pompe. Oui, donc ça c'est le fusil à pompe. Je peux le remplacer par... Oh, c'est quoi ça? Un ray gun tire des billes à une vitesse incroyable et très efficace dans les combats rapprochés, blablabla. C'est un ray gun, ça a l'air génial. Est-ce que je remplacerai pas ça par ça? Infrarouge, trop bien. Ah mais tout ça c'est gratos en plus, génial. Alors, condensateur haute résistance, l'arbre se charge plus rapidement, permettant ainsi une succession plus rapide de tirs à pleine puissance. Au bon système d'énergie du railgun permettant ainsi de tirer plus longtemps sans avoir besoin de recharger. Et le viseur laser. Putain mais tout est gratos quoi. Ou alors je vois pas les prix et je me fais baiser. Le Raygun, c'est bon, c'est ça qu'il faut que je personnalise.
On est d'accord que ça m'a rien coûté. Si ça m'a rien coûté, c'est génial. Salut Artyom. Je m'entraîne comme tu le vois. Ah, je vois ça. Incroyable. Un gros coupeur de bûches. Hein. Bonjour Artyom. Je t'avais dit qu'on se reverrait. Les Rangers ont construit une belle base. Mais c'est pas la voix du G-Man dans... Enfin, du G-Man dans Half-Life ? Monsieur Freeman. On m'a dit que tu n'avais pas reçu d'aide de police. Que fais-tu ensuite ? Tu ne dis rien ? Tu deviens un vrai Ranger ? Fais attention à la route que tu empruntes, Artyom. Et n'oublie pas comment elle peut se terminer. On récolte ce que l'on sème, Artyom. La violence engendre la violence, la guerre amène la guerre, et la mort apporte la mort. Pour briser ce cercle vicieux, on doit faire plus qu'agir sans réfléchir ni douter. Bon, Artyom, j'ai beaucoup trop parlé. Il est temps de partir. Au revoir. Ok. C'est un pistolet qu'il a. Très bien. Chez qui ? Melnik ? Y'a pas grand chose d'utile là-dedans. Des pistes tout au plus. Même si ces documents donnent le chemin vers D6, notre prochaine destination. T'es prêt ? Allez. Donc c'est bon ? Tout est prêt, Ullman ? Le bois est coupé. Vladimir ? L'équipement est prêt. Et vous, les gars ? Prêt. On bouge, alors ! Bah, on bouge. Tu prends pas ton casque ? Ouais, tu prends pas ton casque. C'est la dernière ligne droite alors ? Je me rappelle plus de la fin du jeu. Je me rappelle de la fin de Metro Last Light. Mais pas trop. Enfin, je me rappelle de ce qui se passe à la fin là, mais je me rappelle plus de comment ça se passe. Miaou ? Orion vous passe le bonsoir. Ou le bonjour. Prendre des munitions peut-être à la limite. Non. J'ai tout ce qu'il faut, faut croire. C'est le donjon de la vieille église. On entre. Un tunnel sombre, des bruits de ferraille et l'odeur de la mort. C'est ainsi que notre voyage vers D6 avait commencé. Mais notre but semblait plus proche à présent. D'après la carte, il y a différents moyens d'arriver à D6. Le plus court, c'est de passer par les installations près de Kievskaya. On va essayer ce chemin. Kievskaya ? J'ai entendu des choses étranges à propos de cette station. Il y a eu une explosion dans le tunnel et de nombreuses personnes ont été enterrées vivantes. La rumeur dit qu'elles ont survécu, mais qu'elles ne ressemblent plus à des humains. Vladimir a perdu toute sa famille dans les tunnels. Et il a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Tiens !
Garrus! Bien, j'ai juste une petite vision de cauchemar. Cet endroit me file la chair de poule. Boris, jette un œil à la porte. Ah, l'unité de contrôle est réduite en miettes. Toutes les lignes sont coupées. Vlad, prépare tes outils, on doit ouvrir cette porte. Artyom, reste ici et couvre-nous, il faut pas de mauvaises surprises. Merde, c'était trop beau pour être vrai. Ah ouais? Très bien. Vladimir, trouve le plan du premier bâtiment. Ullman, regarde-toi. D'abord, envoyez les câbles, puis à mon signal, on allume les interrupteurs. Il y a quelque chose là-bas. Quelque chose approche. Ignore. Où ça? Et nos Alice! Ah oui, ils sont vénères quand même. Dernier interrupteur. Bougez-vous le cul, s'il vous plaît. Ça s'approche. Merde, on en a loupé un. Vite, l'anomalie est tout près maintenant. Oui. On se mange ou on est mort. C'est bon, la porte est ouverte. Merde, j'arrive pas à démarrer. Ça va le faire. Bah moi non plus, hein, parce que je suis quand même mort deux ou trois fois. J'avais pas compris qu'il fallait recharger le gaz. Ok, on reprend nos esprits. On a encore une longue route devant nous. Bon, les gars, c'est la porte qui mène à D6. C'est quoi? Merde. J'ai noir là-dedans. Merde! On peut pas viser donc. Très bien. Allez, hein. Le chaos du tunnel était enfermé derrière les portes du sas. Elles avaient l'air indestructibles. Et à cet instant, mes camarades aussi. Très bien, on a réussi à passer. On va essayer de faire ça vite et bien. Ullman, tu diriges l'équipe d'assaut. Boris et Stepan, vous couvrez le comique.
Artyom et Vladimir, restez près de moi. Allez, on y va. Pourquoi se dépêcher, colonel? On devrait plutôt s'asseoir et fumer une clope. On est bien trop nerveux. Pas de repos pour les braves, comme tu le sais. En avant, messieurs! Vous allez passer à la postérité! Bon, attends, je regarde s'il n'y a pas... Oui, rien. Je suis sûr de vouloir laisser mon nom dans les annales de l'histoire. Pourquoi j'ai pas donné un laser vert comme vous, moi? Je suis puni? Regardez! Quelqu'un a laissé un squelette ici! Ça vous tente, un petit souvenir? Ullman, ça suffit avec tes blagues! Quand on sera à la station, tu nettoieras les tunnels avec une brosse à dents! Oui, mon maréchal! À vos ordres, mon général! Brosse à dents sale, ok! Voici notre premier défi! Artyom, allume ces interrupteurs! C'est un interrupteur. Ce truc est marrant. Dommage qu'il soit cassé. Ça marche pas. Ouais, ça va. Il fonctionne pas votre truc. Je fiche pas ce qu'il faut faire en fait. Enfin, j'ai bien compris qu'il y avait une histoire d'interrupteur. Ça est ok. Mais j'ai rien à activer moi. Ça m'embête un peu. C'est bon. Ça devrait marcher maintenant. Bravo Artyom. Il vient de décrocher une médaille. Désolé, je suis un peu con. Ullman, jette un œil aux égouts. Ah non, je peux pas y aller. C'est sombre et j'ai peur. Merde! Pas de vulgarité, soldat. Je suis pas vulgaire, c'est de la merde. Vraiment. Et j'ai marché dedans. Mais c'est bon signe. C'est pas un signe, c'est un présage. S'il y a de la merde, ça veut dire qu'on a de la compagnie. J'aimerais éviter de marcher dedans quand même. Ici ! Ah,
on se calme. Tout est ok. Écoutez, l'attaque est la meilleure des défenses. Vladimir, tu vas avec Artyom. Et vous restez à l'arrière tous les deux. Ok, on y va. Je peux pas me battre dans ces conditions. Ça pue tellement que j'ai perdu l'odorat. Holman, j'espérais que ça te ferait perdre ton sens de l'humour. Ok. Allez, allez. Un verre de gnôle pour chaque nosaliste. C'est une bonne idée, hein, colonel. Il fallait que j'aille où? Ah, hein, t'imagines? Un autre colonel. Ah, oh, c'est... D'accord, ok. À droite. C'est bien comme arme ça. Pas mal hein. C'est subtil au moins. RAS colonel. C'est pas faux. Effectivement, ça boit les balles. C'est assez vénère. Mais c'est vachement efficace. Sur ta mémoire, je les traquerai tant que je serai en vie. Il voulait juste faire une soirée disco. Putain de monstre. Très bien. Il y a une station d'essence et des égouts plus loin. Il faut qu'on ouvre la porte. Donne-moi quelques minutes. Très bien. Vas-y. Encore un peu. C'est ouvert. Mettez vos masques à gaz. Ok. Holman, jette un œil aux égouts. Oh, c'est à moi qu'on confie toujours les boulots les plus intéressants, hein. RAS, on y va.
sans l'attaque. Attention les gars. Ça sent l'attaque hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a un passage en bas. C'est notre seule solution. On y va doucement. C'était quoi? Ah, c'est maudit, nos amis. On s'est fait repérer. On se calme. Mitrailleuse à pompe, y a plus de balles. Mais c'était bien. C'est la porte qui mène à D6. On y est. On dirait bien. Merde, c'est verrouillé. Oh, ça me surprend pas. C'est quoi ce truc? On dirait une fichue porte. Allez, on y va. C'est bon. Artyom, inspecte cette pièce. Vraiment? Super. Génial. Artyom, tu vas bien? Bien. On va essayer de te rejoindre. En attendant, cherche une sortie. Bonne chance. Oh non.
Une porte, ça. Une porte fermée. Ah oui. Alors deux secondes, faut que je recharge. 4 balles de pompe. Super. Ok, donc ces espèces de scorpions dégueulasses, slash araignées. Ils sont sensibles à la lumière. Voilà, c'est dégueulasse, hein. On est d'accord. Ici! Salut! Bon, j'ai plus de balles. Au moins t'es en vie. On a perdu Stéphane. Putain! Hé, hey, silence! Y'a un son qui provient du tunnel. Vous l'entendez pas? Quelque chose approche. Et alors? Ressemble à un système automatique. Je vais regarder ça.
Évidemment, pas de balles, hein. Ouais, d'accord. J'ai comme un mauvais pressentiment. RS. Il n'y a pas d'autre solution. On doit grimper à bord. Eh bah go, hein. Par contre, j'ai plus de balles. Alors la prochaine station, c'est T6. S'asseoir ? Non. On était proche de D6. On avait du mal à croire qu'on avait trouvé le légendaire centre de commandement. Mais valait-il toutes ces vies perdues? On allait bientôt avoir la réponse. Mettez vos masques à gaz, vite! Encore? Oh, pardon. Désolé. Bon, j'ai toujours pas de balles, hein. Attention, bordel! 20 ans sans maintenance, c'est un peu trop, même pour des structures militaires soviétiques. Regardez tous où vous mettez les pieds, et surtout toi, Artyom. Ça va. Ça m'a l'air d'être bon. La salle des commandes devrait être là, on va vérifier. Ullman, Vladimir, restez ici et couvrez nos arrières. On n'est jamais assez prudent. Artyom, avec moi. T'as pas des balles? Chef, oui, chef. Il faudrait des balles. Pas de balles ici. Évidemment que non. Bon bah je suis de tout cœur avec toi mais bon. Bon, on va se mettre en vision nocturne, hein, comme ça au moins. On verra ce qui se passe. Par contre je verrai pas si je suis au bord de la mort ou pas. J'imaginais exactement ça. Ces objets dégagent quelque chose. Ils ont une âme soviétique. Mais comment tu pourrais le savoir? C'est indiqué ici qu'il y a un système de filtration d'air en haut en cas d'urgence. Ces systèmes ont été conçus pour durer. Bonne chance que ça fonctionne encore. Après, est-ce que ça a vraiment filtré l'air irradié direct? Je sais pas. Et est-ce qu'il n'y a pas un paquet de saloperies dedans? On a surestimé ces machines. Tous ces mécanismes doivent être réparés à la main. Artyom, il y a un système d'allumage auxiliaire. Grimpe sur ce rebord en haut. Je te dirai ce que tu dois faire quand il sera. Bon bah j'espère que personne ne va m'attaquer. Artyom, il devrait y avoir 4 moteurs d'allumage par là. Trouvez. Attends, je vais remettre de la lumière parce que là... Tu dois ouvrir les trappes d'abord.
Ok. Appuie sur le bouton à mon signal. Premier bouton. Troisième bouton. Le troisième. C'est pas c'est loin. Allez, démarre. Bah, aucune chance. Essaie encore. Sans espoir. Merde. Cool. C'est comme dans les vieux films de Hollywood sur l'Union soviétique. S'il a tapé sur le tableau de bord, ça s'allumait. Parfait. Artyom, on bouge. Ça suffit de jouer avec l'équipement. Ouah, c'est stylé. Juste aller voir là-bas s'il n'y a pas des munitions. Parce que mine de rien, c'est vrai que bon. Ce serait bien de pouvoir se défendre. Allez. Heureusement qu'on doit pas tout redescendre. Y a un truc qui tourne pas rond là-bas. Va à gauche, professeur à droite. Artyom, couvre-moi. J'ai pas de balle. Si les plans sont corrects, on doit passer par là. Mais comment on peut ouvrir cette porte? Une idée, Artyom? J'ai pas de balle. Je vais prendre ça. Et si... Bien vu. Bon, j'ai toujours pas de munitions. Donc je vais surtout courir partout si on se fait attaquer. Doucement. Allez. 14 balles. Ah! Ça fait chier de me passer sur les balles militaires. Hein. On verra. Si vraiment on a besoin, mais. En tout cas, ça veut bien dire qu'il va y avoir baston. Ullman, tiens la porte. Vladimir, à toi de jouer. T'as besoin de quoi? Laissez-moi réfléchir. Instruction A124, page 3. Tableau DS22.
Ah, voilà. C'est là. Superbe mémoire, Vladimir. J'ai toujours dit que l'armée était une bonne institution. Toute cette formation va enfin payer. Ça marche. Ça, c'est du matériel. Excellent. Premier. Mort. Deuxième. HS. Troisième. Quatrième. Cinquième. Huitième. Dixième. C'est pas possible! Ici. Il y en a un ici. Je vais pouvoir obtenir toutes les infos. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Batterie de secours épuisée. Et le courant principal? Eh bien, on dirait que le réacteur est désactivé. Impossible de le démarrer d'ici. On doit le réactiver manuellement depuis l'étage le plus bas. D'après le schéma, ça n'a pas l'air compliqué. Presque tout est automatisé. Arrête de rire! Comment on peut descendre? Bon. Il y a un ascenseur au niveau juste en dessous. Mais il y a un léger problème. Pour le mettre en marche, on doit tout éteindre. Même l'éclairage d'urgence. Alors, si on n'a pas le choix, fais-le. Merci, Vlad. Reste ici et surveille les données. On traînera pas. Artyom, Ullman, suivez-moi. J'ai quand même pas beaucoup de balles, hein. Je savais que ça allait pas être facile. Voici venus les enfants de l'Apocalypse. Ullman, changement de programme. Tu restes avec Vladimir, et tu défends sa position. S'il y a un problème, j'envoie Artyom. Bonne chance à nous tous. Oui. Allez. Pas rassuré, hein. Je te le dis. Bon sang. L'ascenseur est là, mais la porte est verrouillée. Très bien. On va devoir le contourner. Avance doucement. On se couvrira l'un l'autre. Ici, à ce que je vois. Venez voir papa, salopard. Cherchez, je suis là. Tout va bien. Il me reste 5 balles. Leur vapeur, quoi. Ok, voilà l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. Votre heure a sonné. Vous allez sentir notre
signal sur le tableau gauche de ma console. Je vais l'activer. C'est parti. Les gardiens invisibles. Comment tu peux croire à ces conneries? On descend? Colonel, allez dans la salle du réacteur. Il y aura un réacteur principal au centre, à gauche de la salle des commandes. Un ascenseur descend en rez-de-chaussée. Là, vous devrez monter les escaliers. Activez le panneau avec le pont levier. Vous direz quoi faire ensuite. Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vladimir, wow. Si seulement tu pouvais voir ça. Prépare-toi, Artyom. Ça va chauffer. Ah, c'est-à-dire que j'ai pas beaucoup de balles, moi. Cette merde sur le sol est sûrement toxique. Et en plus, c'est du gaz. On tiendra pas longtemps ici. T'en dis quoi? Tu peux y arriver? Tout va bien. On va repeindre les murs de sang. J'ai vu plein de trucs dégueux. Mais là, ça remporte la palme. Sans blague. Voilà l'escalier. Artyom, je vais pas te mentir. J'ai peur maintenant. Alors c'est une échelle en fait. C'est pas grave, il hein, y a plein de gens qui se trompent. Pardon, oula, oui moi aussi j'ai eu peur. On se grouille de rejoindre le bunker. Rien que de voir ça, je suis malade. Voilà. Ah comme quoi, moi je les comprends les vegans. Hein. Dégueulasse. Hein. Où est le levier? Je le savais. Le système est automatisé, colonel. Actionnez la commande. Plus facile à dire qu'à faire. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Alors, moteur de démarrage du réacteur 1, 2, 3, 4. Ben, ça a l'air simple. Un idiot pourrait l'utiliser. Enfin, voyons pour que ça marche. Tout va bien, colonel. Déchargé à un quart. Mais il faut complètement recharger. Continuez. Merde. Bon. On pourra pas faire mieux. On y va. Suivant. C'est quoi ce bordel? Maintenant ce truc riposte? C'est pire en pire. Huh. Système d'activation manuelle hydraulique. C'est pas vrai. Artyom, tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire. Tu vois la grue sur le toit? Arrive jusqu'à la cabine. C'est un système d'activation de secours avec un mécanisme de capture qui va nous aider à extraire les barres. Essaie de t'y glisser pendant que je distrais notre ami. Allez, on y va. C'est maintenant ou jamais! Oh là là. Oh, y a mes coups d'assaille. Je vais me faire pisser dessus. Thank you.
J'espère que c'était le bon côté. C'est des balles. Écoute, Artyom. Notre héritage, notre futur, il y a tant de pouvoir ici. Grâce à ça, on va régner sur la Terre de nouveau. On n'aura pas à vivre comme des rats. Avec le feu et l'épée, on fera revenir le ciel et le soleil. On pourra revenir à la surface, au milieu des décombres, rebâtir les villes, et les tunnels du métro retrouveront leur gloire d'antan avec des trains rapides et argentés. Tout sera... Oui, tout. Vas-y, passe devant, je t'en prie. Ok, on se disperse pas. Avec Artyom, on va à Ostankino pour corriger la visée. Toi, tu restes ici et tu défends Vladimir. Je parierai pas sur nos chances de réussite, mais essaie de contacter nos gens et de demander des renforts près de la tour. Je resterai en contact. Les ordres sont clairs? Bien. Artyom, on y va. Bonne chance, les gars. C'est quoi, ça? C'est toujours la même histoire. Tu te mets dans la merde jusqu'au bout de ce monde. Ouais, je t'écoute, hein.